aujourd'hui vous allez voir 100 jours en momie langleg. Wesh, attends, elle est fâchée là. Aïe aïe aïe, je pense qu'il faut mettre un like et s'abonner. Sur ce, bonne vidéo. Lui c'est Tikida l'hamster, mais malheureusement pour lui il a pas grand chose dans le crâne. Je suis un thug là, je fais le balai. Tourbillon de la mort qui tue les fesses. Bon, elle c'est Jacqueline, sa mère. Me demandez pas comment elle a eu un enfant hamster. Ferme ta gueule hamster et passe-moi le balai. Eh, c'est pas parce que je suis un animal que j'ai une gueule hein. Ah bon? Ben oui, avec ton crâne là, ta calvitie cachée. Comment tu oses dire ça, gros nez là? Il fait la taille de la Russie, tu devrais te mettre en question là. Je m'en fous, de toute façon je t'aime pas. C'est mon anniversaire et tu me l'as même pas souhaité. T'imagines, c'est trop la honte, t'es ma mère. En plus, mon compte Facebook il me l'a souhaité lui hein. Désolé, j'ai oublié parce que t'as été adopté en fait. Et tu me dis ça maintenant? Non mais c'est bon, je me casse, c'est quoi ça? C'est pas possible. En plus, regarde où je vis. Dans une caravane des années 1900. Regarde la maison du vieux Schnock Michel. Elle est trop stylée, moi ma daronne c'est une chômeuse. Maman, maman, est-ce que pour une fois t'as un cadeau pour mon anniversaire? Eh, mais pourquoi t'es dans le lit? Eh, je te vois, fais pas par exprès de dormir, t'as les yeux ouverts. Ah zut, j'ai oublié de les fermer. Vas-y là, fais pas la radie, je vais m'acheter un téléphone, une Switch, une PS5, une villa. No! Allo, talk the snow the friends. It's lonely man, it's not body. Je vais plus jamais sortir d'ici. C'est bon, j'ai trouvé une poupée dans les poubelles. Non, maman, ça lui fera plaisir. Avant de continuer la vidéo, est-ce que vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qui se passe si un de vos comptes se faisait hack? Et bah c'est simple, le hacker aura accès à tous vos données. Nom, prénom, carte bancaire, tout. Mais aujourd'hui, grâce à NordPass, on va vous montrer comment éviter ça. NordPass est un gestionnaire de mots de passe sécurisé qui vous permet de les conserver, comme votre compte Roblox, Amazon ou encore votre carte bancaire. En plus, ça a été créé par des experts en cybersécurité qui ont aussi créé NordVPN. Avec NordPass, vous pouvez stocker tous vos mots de passe en un seul endroit. Vous pouvez également générer des mots de passe complexes pour sécuriser un maximum vos comptes. Et en plus, NordPass remplit automatiquement vos identifiants pour que vous puissiez gagner du temps. Avec le Data Branch Scanner, vous pouvez voir vos comptes qui ont été divulgués sur internet. Ouais, c'est incroyable. Tous les ans, NordPass vérifie plus de 200 mots de passe. Voici les mots de passe les plus utilisés en France. S'il y en a qui voient leur mot de passe, c'est normal, car la plupart des gens utilisent leur propre nom en mot de passe. Et mondialement, 1, 2, 3, 4, 5 est le plus utilisé. Bien sûr, il y a un petit code promo, Tikida, où vous pouvez avoir 70% de réduction. Le lien est directement dans la description. En plus, vous avez un mois offert. C'est satisfait ou remboursé. Sur ce, merci à NordPass, car grâce à eux, il y aura des vidéos de malades qui vont arriver. Tout est dans la description, bonne vidéo. Mon fils, regarde. C'est pas que je t'aime pas, mais tu me colles un peu trop là. En plus, tu pues des aisselles. C'est ton nez, il est trop long. Ouais, c'est ça. Bon, là, tu me veux quoi? Et j'ai pas oublié, je suis encore fâché de toi. Yeah, un cadeau. Ouais, là, j'ai ma PS5, ma Switch, je serai certain. Allez, montre-moi vite. C'est ça ton cadeau. Très bonne blague. Non, y'a pas de blague en fait. Mon cadeau c'est cette poupée éclatée. Moi je suis pas éclatée. Ouais, c'est qui a parlé? Y'a quelqu'un derrière la fenêtre ou quoi? Tout est dans la description, bonne vidéo. Non, moi j'ai rien entendu. Bon, moi je me casse. Quoi, elle m'a laissé tout seul avec cette poupée? Jamais de la vie je la garde, j'ai une idée où je pourrais la mettre. Viens avec moi, j'espère que tu sais nager. C'est parfait comme ça. Bon, je pense que je dois trouver une solution pour me faire de l'argent moi-même. Je vais aller demander aux gens de leur couper les cheveux. Je serai le coiffeur le plus tech life. Comment il a osé? Je vais le tuer. Oh, viens ici, petit mort, tu m'as fait la boule à zéro. Oh là là, j'ai échoué ma mission. Vite, je dois m'enfuir. Reviens ici, sinon j'appelle la police. Appelle la police, ton cahier. Dans tous les cas, t'as le crâne rasé. Faites d'abord tuer la mère parce que ça se voit, c'est une grosse débilance. Comment on se retrouve, ça? Tu me reconnais pas? Ben non, je t'ai jamais vu en fait. Elle est définitivement débile. Tu veux que je te fasse un café? Bon, je vais pas passer par quatre chemins. Je vais te tuer. Maman. Bon, j'en ai enfin fini avec elle. Maintenant, je vais m'occuper des petits. Et apparemment, si la mère elle est débile, son enfant aussi. J'ai une idée, je vais m'amuser avec le petit. Mon milongleg à la fin voudrait que je lui ramène un peu à manger. Le gros rat, ça lui fera très plaisir. Let's go, j'ai en plus réussi à voler de l'argent, je vais aller montrer ça à ma mère. Maman, regarde ce que j'ai. Quoi, maman, il s'est passé quoi? C'est pas possible. Non mais qui lui a fait ça? J'espère c'est pas du ketchup qu'elle s'est mis sur le corps. Réveille-toi, espèce de débile, c'est pas le temps de dormir. C'est pas du tout du ketchup en plus, je pense qu'elle est vraiment morte. Non. Mais c'est ce qui s'est passé, il y a eu un cambrioleur. Hein, mais depuis quand la poupée elle parle? Ouais, je t'avais pas mis dans les toilettes toi. Mais je suis sortie parce que j'ai entendu des bruits. Quoi, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu de ma vie une poupée comme ça. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Je suis pas débile à ce point, j'ai jamais vu ça. Je suis la seule au monde qui peut faire ça. Si tu veux, on peut devenir amis. J'ai pas envie d'être ami avec une naine. Ferme-la, fais pas comme si t'avais des amis. Déjà,
déjà de 1, t'as raison, j'ai pas d'amis. De 2, pourquoi tu parles comme ça? Et de 3, j'ai rien à dire. Bon, vas-y, raconte-moi ton histoire. Peut-être que ma mère va se réveiller, hein. J'ai perdu ma mère qui s'appelle Mommy Langleg. Faut que je la retrouve. Quoi, sérieux, t'as perdu ta daronne? J'espère qu'elle est pas aussi petite que toi, sinon on va jamais la retrouver. Eh, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est impossible. Non, non, t'inquiète, elle est très très grosse. Ouais, c'est quoi ce rire de rat affamé là? Pour te dire, c'est toi qui ressembles à un rat. Pour la millième fois, je suis pas un rat, je suis un hamster. Non mais oh, il m'énerve trop, j'ai trop envie de le tuer. T'as dit quoi? Non, rien. Bon, suis-moi, je pense que je sais où ma mère. Sérieux? Trop cool, allez, je te suis. Par contre, ramène-moi pas dans un endroit paumé, hein. T'inquiète. C'est bon, j'ai trouvé, je pense que c'est ici. Mais wesh, ta mère c'est un rat ou quoi là? C'est un endroit paumé, ça, je t'ai dit de pas me ramener dans un endroit paumé. Mais t'inquiète, c'est pas un endroit paumé, regarde. Quoi, une cachette secrète? Mais c'est trop cool, on est dans Batman ou quoi? Vas-y, montre-moi vite. Vas-y, suis-moi. Mais c'est là la page secrète. Waouh, trop cool. Ah oui, c'est vrai, je suis trop paumé, moi. C'est un peu louche, non? Elle est bizarre, la meuf. Attends, elle est passée où? Wesh, elle m'a laissé tout seul. C'est quoi cet endroit en plus? Ah, je vais aller par là, hein. Mais wesh, y'a rien ici. Salut mon enfant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est quoi cet endroit? Les derniers souvenirs que j'ai, c'est d'une vieille mamie là, je sais même pas quoi, elle était toute rose. Elle ressemblait à ça, mais c'était pas exactement ça. Mais wesh, c'est quoi cet endroit? Wesh, incroyable. Attends, je peux vraiment tirer et tout? Non mais sérieux, faut absolument que je retrouve la poupée au plus vite. Je pense qu'il faut que je fasse un parcours pour m'enfuir d'ici. Par contre, si je meurs, c'est terminé pour moi. Ok, je dois faire au plus vite. Par contre, je dois vraiment faire attention à pas mourir. Ok, je vais aller par là, je pense que c'est le bon endroit. En plus, j'ai ça, je sais même pas c'est quoi ça. Ça va donner des claques ou quoi là? Oh regardez, il y a une voiture qui s'en vient. Attends, je dois pas la louper, sinon là c'est mort pour moi. Oh let's go, nice. Bon, ouais, jouez. Attends, il veut me donner une claque ou c'est comment là? Non, c'est moi qui donne des claques. Vite. Ok, c'est bon, j'ai réussi. C'est quoi ça derrière moi? Non, je peux pas aller là, je me cache. Je vais rester là toute ma vie. Non, attends, je dois me reprendre et revenir sur Brookhaven au plus vite. Ok, il faut pas que j'aie peur de ça. C'est juste des dents, d'accord? C'est juste des dents. Je sais pas, c'est des dents à quoi? On dirait des dents de Gollum. Mais bon, non. Ne vous inquiétez pas, les hamsters, c'est super résistant. Ah, ok, c'est bon. Oui, j'ai cru que j'allais encore m'endormir. Là, j'avais trop peur. Ok, il faut que j'évite les trappes parce que sinon, voilà quoi. Ah, regardez, je peux claquer là. Bon, regardez, il y a des mains devant moi. Non, là, c'est vraiment grave. Il y en a 3. Ok, je dois pas les toucher parce que sinon, je pense que je vais mourir. Attends, mais ça, c'est pas la main de la meuf là. Je pense qu'elle s'appelle comment? Elle s'appelle. Oui, elle s'appelle Mommy Langleg. Oui, mais attends, du coup, c'est elle la mère de la poupée. Bon, vas-y, je dois l'éviter. Let's go, j'ai réussi. Mais oui, c'est quoi ces îles? Je comprends rien. Regardez ce que j'ai devant moi. Je pense que c'est des vitres et il faut que je saute dans les bottes. Sinon, je tombe quoi. Allez, en espérant que j'ai de la chance. Allez, on va commencer par ça. Ensuite, ça. Et là, je vais aller tout droit. Allez, let's go. Je vais pas réfléchir. Bon, par contre, là, j'ai tout réussi, mais je suis un génie. Allez, le dernier. Et. Non! Quoi, je suis pas mort, regardez où ça m'a ramené. Wesh, incroyable. Oh non, j'ai eu trop peur, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Attends, là, je dois vraiment sauter. Ah! Oh, c'est bon, ok, je suis pas encore mort. Allez, je dois escalader, vite. Allez, je dois retrouver Brookhaven, là, j'en ai marre de cet endroit, là. Il y a des colis qui tombent, allez, let's go. C'est bon, j'ai réussi. Oh non, regardez, il y a les bras de mon mille anglais. Allez, vite, faut s'enfuir. Oh non, vite. Allez, let's go. Ok, je saute, allez, faut pas que je tombe dans l'acide, sinon là, c'est... Ciao! Oh, regardez, il y a le chouchou train. Vite, let's go! Allez, je peux m'enfuir. Oui, je vais enfin pouvoir m'enfuir. J'espère que la destination, c'est Brookhaven, hein. C'est bon, je pense que là, je suis sur Brookhaven. Let's go, j'avais trop peur. Les amis, si vous voulez qu'on fasse une partie 2 où j'essaie de retrouver l'enfant, la bizarre, là, la poupée, dites-le-moi dans les commentaires et mettez votre like. Aussi, pourquoi pas, on peut essayer d'en savoir plus sur Mommy Langleg. Sur ce, c'était Tikida. N'oubliez pas de manger des courgettes. Peace! Roblox, Bubblox, vous pouvez pas me tester, wesh. La type courgette est invincible. C'est quand vous allez comprendre. Roblox m'a pas banni, j'ai toujours mes pets. Adopt me, Monox ma girafe et surtout mon Frost Fury. Roblox m'a pas banni, j'ai toujours mes pets. Adopt me, Monox ma girafe et surtout mon Frost Fury. J'arnaque les mamies, j'arnaque les mamies. J'arnaque les mamies, j'arnaque les mamies.